Yo, before you watch this episode, don't forget to hit the subscribe and turn on the notification bell. Gandhi. Oh. How are you really doing? Wow. Je suis surpris que tu m'appelles Gandhi. I know it's your real name, no? Yes, yeah, my real name. Okay. C'est mon vrai nom. Mon père, c'est mon père qui m'appelait comme ça. And your father liked Gandhi, that's why he called you? Yes, il aimait beaucoup Gandhi, il aimait ce qu'il a fait pour son pays, son côté très pacifique. Okay. So, how's Dubai treating you? Dubaï, c'est un, euh, un endroit qui m'a toujours euh, fait rêver. C'est un endroit qui... J'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire euh, l'émergence de cet endroit, parce que c'est ouais. un endroit où les musulmans, on, on peut enfin euh, être entre nous, faire euh, tout ce qu'on faisait en Europe, mais dans un pays musulman, ouais. sans toutes les restrictions. Sans nous dire qu'il faut couper l'Aden, qu'il ne faut pas faire l'Aïd. Ok. If I, uh, Gandhi, si j'avais à te demander, qui es you? Je suis euh, un jeune Congolais qui part de zéro. Je, je pars de zéro, j'arrive en France clandestinement. Et, euh, et j'ai un rêve, c'est de faire de la musique, être un artiste. Euh, vivre de ça. Okay. Um, if I asked you to describe your childhood in three words, insouciance, euh, danger et euh, miracle. Mmh. Insouciance, pourquoi? Parce que je suis arrivé en France clandestinement. J'ai grandi dans des squats. J'ai été expulsé tous les six mois, mais je me rendais pas compte. J'étais totalement insouciant. Danger, pourquoi le danger? Parce que j'ai grandi dans des squats avec des drogués, des prostituées, des gens qui faisaient des allers-retours dans la maison pour acheter de la drogue. Euh, j'ai vu mes parents se faire frapper par la police, être expulsés. Donc j'étais dans un danger permanent. <coughs> Miracle pourquoi Parce que j'ai réussi dans ce cadre-là. Um, I think that's one of the most interesting answers I got about a childhood. It sounds like a crazy story. C'est c'est une histoire euh, c'est une histoire folle c'est vrai mais je je n'en fais pas mon fond de commerce. Parce que il euh, a aucune fierté. C'est je suis je suis vraiment un enfant de la rue. Plus que tous les rappeurs français, mais c'est pas mon fond, mon fond de commerce. Je suis là pour, pour véhiculer des émotions et des messages réels et pas prôner la rue ou la drogue. Um, Gandhi, how tell me about escaping Congo? Allez, à cette époque-là, moi j'ai deux ans ou trois ans. Donc on est dans l'insouciance. On est dans la partie de l'insouciance. Donc euh, mes parents euh, vivent dans un Congo où c'est Mobutu, donc un dictateur euh, euh, qui est au pouvoir. Voilà. Et euh, mon père était assez proche de lui. Donc quand son pouvoir commençait à tomber, ça devenait dangereux pour tous ceux qui étaient proches de Mobutu. Mm. Donc, il a décidé qu'on quitte le, le pays. Donc, c'est mm. comme ça qu'on est, qu est arrivé. Et euh, enfin. as, as a child, do you remember these things or it's blocked? Moi, mm. je ne me souviens pas de ça. Mes grands frères s'en souviennent, mais moi, j'étais trop jeune. Ok, et Gandhi, when, um, how was it un enfant homeless child? Ça, ça a été quelque chose de très difficile à vivre, parce que euh, tous mes camarades rentraient chez eux, c'est-à-dire qu'ils avaient une vie normale. Mais moi, je ne pouvais pas inviter des, des gens chez moi, etc., parce que ils allaient tomber sur des drogués, des prostituées, ou peut-être la police qui allait arriver. Donc j'avais honte de ça et euh, les gens se demandaient euh, pourquoi j'invitais jamais à la maison, pourquoi, etc. Donc j'étais très mal par rapport à ça. Yeah, I can, imaginer, can imagine. <coughs> you know, us as, as kids, it's very difficult for a child to be reasonable. For example, um, yesterday I was with some friends. And one of my friends said how when he was a kid, he didn't do one small thing, like cleaning something. He was seven. Mm. And his brother didn't talk to him for seven years because of that small mistake. Okay. And for me, I'm like, yeah, you know, like it's this very small mistake. Why doesn't your brother talk to you? Mm. And he said, the problem i connected any mistake with love i thought if i made a mistake i will never be loved and you can because a child cannot think oh i just made a mistake no problem in his brain he just made a connection if i make a mistake my brother will not love me he will not talk to me my mother so he became a man that's perfectionist he he cannot make a mistake. He, like you can see, it would really bother him. So even Gandhi, as a small kid, you're thinking just to deal with this idea that everybody can go to somebody's house, but not your house. It's a lot of trauma and a lot of insecurity. To like, you can't make sense. You can't be like, yeah, I don't have a house. It's okay. No. 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 C'est vrai que je pense que, <coughs> je pense que je porte un bagage émotionnel. Je ne sais pas si tu, sais, tu vois ce que c'est le bagage émotionnel. Ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui, tu te lèves, tu joues au foot, tu te blesses, tu vas aller voir un médecin pour te soigner. C'est une blessure physique. On a aussi des blessures mentales, psychologiques. Mais pourtant, ça, on n'arrive pas à les soigner. Tu vois, tu peux avoir un problème mental, il faut aller voir quelqu'un pour oui. lui parler, pour soigner ça, comme la blessure. Mais moi, j'ai avancé comme ça, sans soigner tout ça. Donc, je porte plusieurs bagages émotionnels. Un petit détail peut me replonger dans le squat où j'étais avec tous les drogués. Et c'est comme ça que je fais ma musique. C'est pour ça que je parle autant d'amour, parce que j'ai beaucoup manqué d'amour. Ma mère, elle n'avait pas le temps de me faire un câlin, de me faire à manger, de m'aider pour les devoirs, parce que notre premier souci... Était de survivre. Tout comme les Africains aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps de penser à toutes ces lois en Europe, toutes ces nouvelles choses, parce qu'ils doivent déjà manger. Avant de pouvoir penser à l'école, on va faire ci, je suis une fille ou je suis un homme, je suis ci ou je suis ça, toutes ces questions-là, elles ne sont pas encore arrivées en Afrique parce qu'on a besoin de manger, d'abord, first time. OK, we asked about Congo et comment vous étiez en avez beaucoup de racisme Oui, quand même. Je me souviens d'une scène qui, qui est assez drôle. Je préfère, euh, je préfère le prendre dans ce sens-là. J'étais euh, en train de marcher. J'allais acheter des bonbons. Je suis tombé sur une vieille dame qui avait un, un caniche. Un petit chien, noir. Et quand je suis passé à côté, le chien commence à aboyer. Wow, 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 wow. Et la vieille dame, elle avait du mal à le tenir, elle n'avait pas beaucoup de force. Ensuite, elle m'a dit, il n'aime pas les noirs, il aime pas les noirs. <laughs> et ça m'a traumatisé. Parce que le caniche était noir. <laughs> et et c'est mon premier, c'est le premier racisme que j'ai subi. Mmh. Yes, but it was funny, it's a funny You see, you know, Gandhi, what's funny in life is something you said. The physical injuries usually we forget, you know? The emotional words, they're... It's very different. One of the questions I usually ask is... Uh, What is something someone said to you that you can never forget? And we can ask you what is something that you somebody told you that stuck here. Bah là, on, là, on parle du racisme, par exemple. Il y a cette scène là avec le caniche qui est drôle. J'ai d'autres scènes où j'étais à l'école, où j'étais à l'école où je devais aller au ski avec l'école, et on était en train de parler avec le prof de sport. C'était une dame et tous les élèves disaient moi je vais faire la piste verte, piste rouge. Et moi je dis je vais faire la piste noire. Et là le prof de sport il a dit la seule chose qui sera noire sur la piste c'est toi. Yes, et ça c'est resté, tu vois. Of course. And this is the, the danger of words. Maybe I don't even want to use only the word danger, the responsibility of words. Because I can look at you and I can be like, you're beautiful, you're strong, you're a great man. And if you're a kid and I'm telling you these mm -hmm. things, I can make you yeah. fly. Yeah, be you. And I can say, you're stupid, you're silly, mm -hmm. you're ugly. And I can destroy your future. Yes. You sir, know, sir, sir, sir. and I've always spoken in my interviews about how the close people, their words are like a tattoo on the brain. It's tattoo, very right? difficult to remove it, even with laser. Like, it's very difficult because it's there. So it's like um, your father saying, you're, you're dumb. Maybe for him, he's just in a moment, he's just angry with you. Yes, but you're six years old and you keep hearing, you're dumb. Yeah. Like the, also coming back to the idea of the words, we saw the video of Muhammad Ali, me and you. And we were laughing, me and you. But he was laughing, but he was also giving a message. Why is uh, yes, Jesus yeah. white? Why is Santa Claus white? Everything. Why is the president's house the White House? and why the negative things in life are blackmail? Black. you know, uh, the black cake is the devil's cake. Yes. It's, uh, and blackmail. And, he's, and muhammad ali was like, even white people lie. why we don't call it white mail? so we can, we can laugh about this, yeah. but it's programming. if i'm from four years old, five years old, six years old, 20 years old, i keep hearing black is negative and white is positive. ça ce sont ce qu'on appelle des, des stéréotypes des stéréotypes qui sont ancrés dès le plus jeune âge chez les enfants avec des séries comme des séries sur l'esclavage le, comme le, le fait de, de montrer que bon les noirs sont toujours en difficulté ils ont besoin de manger les publicités sur la Somalie, le Soudan où tu vois des noirs maigres avec des côtes en train de demander, c'est-à-dire que quand tu grandis avec ça, on peut même pas en vouloir aux blancs même. On peut même pas en vouloir aux petits blancs parce que on a grandi dans ce cadre-là. Moi, par exemple, à Paris, quand je voyais des Indiens ou des Pakistanais, ils vendaient des marrons, des maïs. C'est la seule vision que j'avais d'eux parce qu'on ne parlait pas d'eux à l'école. Donc, ce sont des stéréotypes. Et le plus dangereux dans les stéréotypes, c'est que ça devient réel, justement, comme des tatouages dans le crâne. Ça veut dire que je peux arriver devant deux médecins, il y a un médecin, médecin noir, un médecin blanc, à cause des stéréotypes, je vais m'orienter vers le médecin blanc. Parce que le médecin noir, il a faim, il n'a pas d'argent, il est pauvre, il stéréotype. Et c'est ce que j'essaie de combattre aujourd'hui. Avec ma musique, avec ce que je fais, j'essaie de faire tout mon possible pour changer ces stéréotypes. Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec ces stéréotypes-là. Parce que ce sont des complexes d'infériorité. Allah il nous a créés d'un homme et d'une femme, il nous a répandus sur terre, il nous a créés avec plusieurs couleurs différentes pour qu'on puisse se rencontrer. Cependant, le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. C'est ça, ça la vérité. Absolument. Absolument. Um, Vous know, this, savez, ce sujet is... est. Just so interesting and so deep. And if we don't talk about it, we can fall under the spell of the media and the words. Even, even as Arabs, today, uh, after all the movies we're seeing, terrorism and all of this, mm -hmm. Arabs equal terrorists. Arab equal terrorists, right? Mm -hmm. So now, if me and you are sitting on an airplane, and a guy next to us has a long beard and before we take off he starts to say something he could say anything maybe he's singing but me, <laughs> me and you me and you are like yeah, yeah. because of Why? the stereotype exactly, So you see exactly. how dangerous it is he could be literally exactly. singing exactly and me and you are like uh, what is this you know what is he doing is there something dangerous and he could be the nicest person Vous savez, si on rentre dans, dans ce débat, je pense qu'on est, est sur la même longueur d'onde. On sait de quoi on parle, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité dans le monde. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'est exactement ce qui se passe. Uh, YouTube, you know, one positive thing, uh, Gandhi from Their social media des negative positive. But one of the positive things is awareness. You know, like I meet you because of social media. You could be my brother because we connected somewhere. And we we travel and I see a Filipino, I see Indonesian, I see uh, uh, Japanese, I mm -hmm. see American, European and I'm like we're we're kind of the same. We want food, we want security, we want mm -hmm. love. Nous voulons attention. C'est simple. Et c'est ce que je pense peut-être des choses de l'Internet. Je vois. Bien sûr. Il y a beaucoup de bien. Bien sûr, il y a beaucoup de bien là-dedans. Comme dans beaucoup de choses. Comme dans beaucoup de choses. Et, et ce que j'aime avec notre religion, l'islam, c'est que c'est des choses où Allah il va nous dire que il y a un bien dans telle chose, mais le mal est plus grand. Donc, il faut délaisser cette chose-là, etc. Donc, aujourd'hui, je pense que des émissions comme, comme ton émission, il faut s'en servir aujourd'hui, justement, pour soigner les stéréotypes, soigner le bagage émotionnel, toutes ces choses-là, avec nos moyens à nous. Tu vois Avec nos moyens à nous, essayer de ramener une part de l'histoire qui est encore dans les ténèbres. Tu vois Avec ce genre d'émission... Alors que je te parle en français, tu me parles en anglais. Mm. Mais c'est pas grave. Les gens vont comprendre, ce sera traduit et euh, il faut plus d'émissions mm. comme ça, c'est important. C'est important. Thank you. And I'm I'm trying, you know. I'm not a therapist, I'm I'm an engineer, but uh, I can talk, you know, and I can listen. Yes, mais tu es puissant. Tu es puissant. Yeah. Tu sais le, le général le, gé le général de, du Vietnam. Tu sais, les, les Vietnamiens, c'est des grands guerriers. Ils n'ont pas perdu de, de guerre. Ils ont peur de personne. La seule chose dont le général avait peur, c'est les médias. Pourquoi Parce que les médias touchent à l'intégrité, à la dignité. Et ça, tu ne peux rien faire. Physiquement, c'est les plus forts. Ils ont battu les Américains avec des vélos. Pourquoi Parce que dans les, dans les forêts au Vietnam, c'est des forêts étroites. Donc, les voitures, elles ne peuvent pas passer. Eux, ils étaient en vélo avec des sacs à dos. Mais, ce qu'on peut... C'est-à-dire, les médias touchent à ton intégrité, à ta dignité. Tu peux rien faire. Je Vous um, a que Awareness and self-awareness is not so common. And sometimes, you know, um, I'll give you another this is the topic I've been talking about this, <laughs> this month. There's a nice saying: "Anything that is hysterical is historical." OK, so okay. if I come and tell you, uh, "I don't like this one," you're like, and I, say, I like it." OK. It's your opinion. But maybe I say, uh, uh, I don't like your family. And you get really angry. Too, too angry. Not, not calm. So you can, if you don't sit down with, uh, with Gandhi alone and you're like, when Anna said something about my family, why did I get so angry? Hysterically angry. So it comes back from your history. So you go back mm -hmm. and you're like ah when I was in school they used to make fun of my father and mother so when Anas 20 years later said something about my family it triggered it moved something baggage emotional baggage yeah, so yeah, yeah, yeah. when we start to think about why am i insecure in love why am i insecure about my talent maybe some people when they sing Ils sont timides. Et vous vous demandez, pourquoi es-tu timide Tu es tellement talentueux !»« Non, je n'ai pas une bonne voix. Et vous vous dites, tu as une bonne voix. Mais quelque chose ici, il ne pense pas qu'il a une bonne voix. Peut-être que quelqu'un a dit, tu sonnes comme un âne quand il était jeune. Vous savez Donc, Exactement. c'est vraiment différent. Je pense que sans faire exprès, le but de, de cette interview est vraiment dirigé sur le bagage émotionnel, sur les stéréotypes. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que c'est le problème. Mm. C'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui. Mm. Il faudrait que l'humanité euh, revienne à un niveau où on est tous égaux. On est tous égaux. Mm. Vous savez, on parlait du racisme tout à l'heure, j'en parle en rigolo, en souriant parce que c'est terrible, j'ai vraiment vécu le racisme. J'ai des amis qui le vivent encore. Encore il n'y a pas longtemps à Tripoli, il y avait de l'esclavage. Là, si on va euh, dans, dans certains pays euh, d'Afrique, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est en 2023 et on est encore dans ça. Parce qu'on est victime des stéréotypes. Parce qu'on croit que le noir est inférieur. Parce qu'on croit que si, Parce qu'on croit que ça. Et le noir lui-même pense qu'il est inférieur. Ma mère, pendant très longtemps, elle a, elle a, elle a divinisé les blancs. Pour très, sur très longtemps. Il a fallu que je devienne une célébrité et qu'elle voie que des blancs travaillent pour moi. C'est crazy. Donc c'est vraiment un combat qu'il qu ne faut pas lâcher. C'est un combat qui est relié à tout, qui est relié même à la religion, etc. Parce que Dieu, veut, aux yeux de Dieu, on est tous égaux. On a des couleurs différentes, juste par, 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 rapport, à la, par rapport à la beauté et à la diversité, c'est tout. C'est comme les fleurs. Mmh. Il y a des fleurs blanches, rouges, noires. C'est pour la beauté des yeux. Dieu a créé les étoiles pour qu'on regarde, pour qu'on se dirige, et ça lapide des djinns. Mais c'est-à-dire que the des couleurs ne définissent pas des grades. Mm. I love your brain. I think you're not. Um, you know I had a guest, Gandhi, Arab guest. So my my color. Mm -hmm. She said when she was young, she used to take a brush yeah. on her knees and her elbows because she doesn't want it dark <laughs> because in school If you if you have dark knees, yeah, yeah, or yeah. it's not nice. Imagine, imagine you're a 15 year old and you're just doing this. And when you really think of it logically, your nationality, your height, your color, you didn't win it in a competition. You're, you didn't choose it. So when I say I'm better, how? Did you do something? Did you go to university? Uh, like, how was it? You didn't choose. God brought you and exact. He put you in a certain exact. place. Exact. If you're in a good country, you're blessed. You're lucky. Exact. You didn't. You didn't win. No, no, no. Then what do you do with this opportunity? This is what this is we exactly judge you it. on. Thank you. C'est ça. Bien sûr. Mm. C'est totalement ça. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. On ne choisit pas. Et juste à partir de ce moment-là, ça devrait être un sujet de méditation suffisamment fort pour l'humanité. On n'a pas choisi. On ne choisit pas notre sexe, notre famille. Et je pense que là je vais aller dans un sens plus philosophique. C'est ça la liberté. Le fait de ne pas choisir. Notre Seigneur a choisi pour nous, je suis un homme, je suis une femme, je suis ici. Aujourd'hui, aujourd'hui, on veut retirer le peu de naturel qui nous reste alors que tout est tellement fake. Tout est fake aujourd'hui. La seule chose qui nous reste de naturel, c'est qu'on n'ait pas choisi de venir, pas choisir d'être un homme ou un noir. Pourquoi aujourd'hui tu veux choisir Subhanallah. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Je vais changer. Pourquoi vivre au Japon À la base, je voulais faire du dessin, du manga. J'étais en école d'art. Mm. Et euh, je, je suis fan de manga, je suis totalement fan de la culture japonaise. Et euh, c'était pour moi euh, évident de vivre là-bas, quoi. Mm. Mais la musique a pris le dessus. Et qu'est-ce que la musique veut pour La musique, c'est un son, un bruit, un fond sonore qui est dans ma vie depuis tout le temps. J'ai juste fini par répondre à cet appel. Mm. Et je sais que ton frère Daju est aussi un singer. Je sais que tu l'aimes, mais je pense aussi que tu es compétitif. Comme tu ne veux pas qu'il te batte dans la musique. Est-ce vrai Non, ce n'est pas vrai. On se, on se taquine beaucoup euh, avec des interviews. Peut-être qu'à ce moment même, il fait une interview contre moi. <laughs> Donc, euh, non, c'est bon. Daju, c'est quelqu'un... Euh, ah, c'est mon frère, je ne vais pas être objectif, mais voilà, c'est quelqu'un dont je suis très fier, qui a beaucoup souffert, mm. comme moi, de racisme aussi, de, de tout. Et, et le, le, ce qui me fascine, c'est que, comme on dit, l'éclair, la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit. Mais là, ça a frappé mm. deux fois au même endroit. Mm. <laughs> Donc, Dadju, c'est quelqu'un de spécial. Il faut le suivre de près. <laughs> Very nice. <laughs> Um. Hmm. Why do you like opera? J'aime l'opéra parce que quand je suis donc arrivé à Paris, quand j'étais en primaire, j'allais au centre de loisirs. Et au centre de loisirs j'ai appris la culture française, la culture de la musique, l'opéra, la musique classique. Et j'ai été tout de suite séduit, et je suis tombé totalement amoureux de Pavarotti, l'opéra. Et donc, euh, à l'école, j'arrivais pas à travailler, j'étais pas concentré parce qu'à la maison ça allait pas. Mais quand on faisait du théâtre, il y avait des spectacles, j'étais le meilleur. Et les professeurs d'école venaient voir les spectacles de fin d'année, et je, je chantais Pavarotti, je faisais des scènes de théâtre de Molière par cœur. Et les professeurs, étaient comme ça. C'est incroyable. mais C'est incroyable, Monsieur Djuna. Mais il n'arrive pas à prendre une poésie en classe. Mais c'est stupéfiant. C'est incroyable. De, de professeur Crazy. Mm -hmm. Tout le monde se levait. Et à ce moment-là, j'ai eu des frissons. C'est ma première fois que j'ai monté sur scène. J'ai senti des frissons et j'ai compris que c'était là ma place. C'est là que j'ai compris. Je pense aussi, je pense aussi sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte, je brisais des stéréotypes, c'est vrai. Parce qu'à cette époque-là, euh, en France, les, les Africains commençaient à arriver doucement. À l'école, moi j'étais par exemple le seul noir. Il y en avait un autre dans une autre classe. Aujourd'hui... Il y a énormément de noirs dans les classes en France, etc. Donc euh, je suis content d'avoir euh, contribué un petit peu à ça, à, à rendre les noirs un peu plus hype. Mmh. hype. You C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je suis quelqu'un du feeling. Mmh. Par exemple, quand je t'ai vu arriver, j'ai senti une bonne énergie. Je me fie beaucoup à ça. Je me fie beaucoup à mon énergie parce que tout comme je crois en Dieu, je ne l'ai jamais vu. Je ne jamais vu. Donc si je suis quelqu'un de logique, je ne peux pas croire en Dieu. Donc je préfère me ranger du côté du ressenti. Mm. When uh, Gandhi was a moment dans votre vie que vous avez senti profondément Vous savez, mon père, euh, au bout d'un moment, il est parti. il nous a abandonnés. Et ça, c'était quelque chose de très difficile, surtout pour euh, pour Dadjou et mes autres petits frères. Donc, euh, on était euh, dans des squats, sans ressources. Donc euh, ma mère devait euh, faire des choses. Euh, J'ai même pas envie d'en parler parce que par pudeur. Mais, mais euh, on en a beaucoup voulu. Euh, C'était une déception. C'est une grande déception euh, de la part euh, d'un père. quoi. C'est euh, l'image qu'il nous a laissé. Euh, C'était terrible. À quel âge j'avais euh, 12 ans, 11 ans, Ma mère elle a pris le relais comme elle a pu bien sûr parce que bon on était vraiment trop jeunes pour faire quoi que ce soit, on était encore hmm. scolarisés. Mais euh, c'est vrai que c'était euh, c'était très difficile parce que euh, on, on s'est retrouvé dans un cadre où ma mère était là, mais on était encore dans des squats avec des vendeurs de drogue, avec des chefs de réseau. Et euh, c'est une femme qui est face à tout ça, quoi. C'était pas facile. Je suis sûr. Do you like uh, fame? Bonne question. Pour être honnête, euh, on aime la célébrité lorsqu'on arrive dans un endroit, tu es accueilli comme un roi. En fait, ce qu'on aime, ce n'est pas la célébrité, c'est que les gens sont bons avec vous. Mmh. C'est mmh. ça la réalité. En profondeur. Par exemple, moi je n'aime pas que... Je n'aime pas le, le fanatisme par excès. Genre, je trouve ça... Il n'y a pas de sens. Moi, je suis, j'admire je suis, euh, des gens. Mohamed Ali, je l'admire. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est ça être fan Est-ce que c'est du fanatisme C'est-à-dire que... On a besoin de gens qu'on admire pour avancer. C'est mm. comme ça. Je pense que le poison est dans la dose. Ça veut dire que... Mm. Il, faut, il faut être dans le, dans le juste milieu. Absolument. you know and one of the mistakes that people do is when they like a celebrity who's good in one field they take that and they make that everything is perfect so they think just because he's a good footballer he should be a good husband good exactly. human good politician exactly. and you're like no he's a good footballer exactly you don't know everything else when you know you can judge Mais pas tout. Et c'est pourquoi les célébrités, quand ils font un erreur, boum. Exactement. Mais il est un humain. Exactement. Il could être un grand singer, mais un très mauvais frère. C'est très fort ce que tu dis parce que. J'ai jamais entendu ça. Et c'est une réalité. C'est vrai. C'est vrai. C'est un bon footballeur. C'est un bon chanteur. Chlas. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais entendu ça comme ça. It's a lot. And, and it's an interesting thing because also, Gandhi, sometimes these celebrities, everybody's going. Ah. Yeah. So the ego is huge. So then they ask them, What do you think of the economy? <laughs> and he will talk. It's like one, two, three. And he he's like, Relax. Okay, did you, if you studied it or you actually have a hobby in economics, okay. But don't, because you have a big ego, you can say, a, a good ego is an ego who says, I don't know. I don't know, yes. I will respect yes, you. Yes, 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 yes. If I go to a doctor and I say, my ankle is hurting me, and he says, I'm not an ankle doctor, I'm sorry. I will respect you. But some doctors, he's like, ah, oh, you put Vicks, and I'm like, what, <laughs> yes. what? what Vicks? What are you talking about? <laughs> You're not a doctor for your feet. And this is the danger if... We say in Arabic, I don't know how your Arabic is, but we say in Arabic, uh, which means, which means God have mercy on the person who knows his limit. You know, like when you come and tell me, Anas, fix this camera. I'm like, yes, I don't. Anas, come do a song with me. I'm like, no. Je suis bon à interviewer, ne mettez pas d'autotune mm -hmm. et laissez-moi yeah, yeah. dire non. Donc, so, c'est la beauté, l'humilité. C'est ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Apprenez-moi. Exactement. You know? Ça so. c'est, bien sûr, c'est le, le, le propre même de notre religion. C'est l'humilité. Les musulmans, soumis, islam, mm -hmm. tout nous ramène à être humbles. Mm -hmm. Parce que l'orgueilleux, mm -hmm. c'est Dieu. L'orgueil, chez lui, c'est une qualité. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a le droit d'être orgueilleux. Nous, on était une goutte de sperme invisible. On sort d'un endroit. Voilà. On va mourir et on va devenir poussière. À quel moment on peut justifier notre orgueil Absolument. Et vous know savez ce qui est scary, mais c'est la réalité. One virus for me or for you, in one month, nobody will talk about us. They'll forget. It's life. We die the first month, inside one, inside. maybe one year. Annas <laughs> hey. bon. and jiggins, hey. one year, oh, yes, yeah. people will move. Yeah. They, we will, nobody will remember us. Okay. So our ego has to be controlled. As Nous as we can. We can as as Il y, y, y a une parole de sage qui est très intéressante qui dit Sois comme la graine du baobab. Vous savez, mm. le baobab, il a un très gros tronc. Mais mm. à la base, la graine, elle est toute petite. Cette graine donne naissance à un baobab. Et elle disparaît, la graine. Tu vois, la graine, elle est où Elle n'est plus là. Mm. Nice. Je, trouve ça, je trouvais ça très beau cette. Noter. Um, why don't you remove your sunglasses? <laughs> je m'attendais à cette question <laughs> Non, je en fait c'était même pas prévu ces lunettes. C'est un jour il y, y a très longtemps dans les débuts des réseaux sociaux YouTube etc. J'ai fait un freestyle où j'avais des lunettes. Et dans tous les commentaires, on m'appelait l'homme aux lunettes. Donc moi, je marchais dans la rue, mm. il fallait que j'aie mes lunettes. C'est moi l'homme aux lunettes. Mm. C'est comme ça que ça a commencé. Mm. Et tout le monde ne me reconnaissait qu'avec mes lunettes. Quand j'avais pas les lunettes, on ne me reconnaissait pas. Mm. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je garde des lunettes. C'est <laughs> smart. Um... Pourquoi pensent que tu you're arrogant ah, Peut-être les lunettes. maybe être le sunglass. Mm. En interview comme ça, j'ai des lunettes. Ça peut donner un côté arrogant. Quand tu parles avec quelqu'un, normalement, tu regardes dans les mm. yeux, par respect. Donc, je pense que c'est ces mm. choses-là. Et aussi, mon goût pour le luxe. Pour mm. le, le, les hôtels de luxe, les jets privés, les bateaux, ces choses-là. Mm. Yes. We have one life. Yeah. Enjoy it. Pour moi, tout n'est qu'amour. C'est-à-dire que cette chaise, elle a été faite parce qu'on a aimé la faire. Cette caméra, elle a été faite, quelqu'un a aimé la faire. Il y a un travail long. Tu ne peux pas passer beaucoup de temps sur quelque chose que tu n'aimes pas. Là, je parle de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que général. Mmh. C'est-à-dire que on a été créé par, par une vérité divine, mais par amour. Puisqu'on on nous a créés, on nous veut du bien, etc. On a des récompenses quand on fait une bonne action. Tout n'est qu'amour en vérité. Mais on, on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout est dans la dose. L'amour par excès, c'est du fanatisme. Euh, la colère par excès, la peur par excès, tout ça, ce sont des choses où, euh, quand tu n'es pas dans le juste milieu, c'est pour ça qu'on dit qu'on est la religion du juste milieu. Donc, on remet les choses à leur juste valeur. Parce que c'est... C'est-à-dire euh, que... Quand les choses, chaque chose doit être à sa place pour qu'on se rende compte de la réalité de la chose. Mm -hmm. Tout comme chaque chose a un prix. Donc l'amour, pour moi, c'est la base même de, de, de notre création, de tout. Mm -hmm. Allah n'a-t-il pas dit, ma miséricorde a devancé ma colère mm. Ça. Do you think uh, Gandhi you're a good husband ah. Non, je pense pas, non. Ouais. En fait, je pense que le métier que je fais, euh, c'est un métier où voilà, je, je, vais, je vais en boîte de nuit, il y a beaucoup de fans, mmh. il y a beaucoup de femmes autour de moi qui peuvent... Euh, donc c'est euh, je me mets à la place de ma femme euh, qui patiente en vérité dans, dans tout ça. Ça veut mmh. dire qu'elle elle, indirectement, à chaque fois, c'est comme si elle devait se comparer ou il y avait des, des attaques qui arrivent du monde entier. Mmh. Donc, euh, bien sûr, j'ai euh, fait des erreurs, j'ai fait plein de choses, etc., que j'aurais pu améliorer ou que j'aurais pu mieux faire. Et parfois, je me, laisse en, je me laisse emporter par la fame. Parfois, je suis dans le. Dans les, dans, dans, les, dans les feux de la rampe, les ténèbres du succès. Ça arrive. Et j'essaie d'expliquer à ma femme, à, à ma famille, que vous ne pouvez pas comprendre en profondeur ce que je vis. C'est en même temps mon métier, c'est avec ça que vous vivez, que vous mangez, mais c'est en même temps ce qui peut nous détruire. Mais je dois nager avec ces requins-là. Je dois contrôler la situation. Donc, est-ce que je suis un bon mari Il faut <laughs> mm. You know, I like what you said. On, um, you said two very um, humble things. One is that I try to understand what my wife goes through. And that's called empathy. You could be like a misogynist, you can be like, I'm just a guy i do like this and it's up to me she has to, she should be patient she should understand you didn't say that you said i try to put myself in her shoes and it's not easy so i hope that your wife can see beyond everything and just see inside you and she's like this guy loves me and I'll, i will understand even if everybody doesn't understand i will understand which is a beautiful to have a woman like that um, and the second thing is that you admitted that fame can can get to your head, and because you're a human being, then sometimes yes. I, my mother said it some, once nicely. She said, "It's like uh, fame is like you're a balloon, and the balloon goes up. Somebody has to bring it down." And she said, "Anas, yes, I will bring it, it down. Yeah. Every time I see, I see the balloon, she's like I come." Très belle image. Come. Très belle image. You know? Very nice. Yeah. Very nice. Voilà, ouais, mm. c'est vrai. Parfois, il y a des moments où la célébrité, elle arrive par les pieds, elle te monte, elle te monte. Tu as envie de. Tu te dis, je, je peux tout faire. Les gens m'aiment. C'est comme un pouvoir qui. C'est comme l'anneau Sauron. Je ne sais pas si vous avez vu le Seigneur des Anneaux. Mm. Mm. Quand tu mets l'anneau, ça, ah, ça te ronge. Yes. Et tu deviens comme Gollum après. Smeragold. Yeah. Gollum. Il <laughs> veut ta mot. C'est l'impression. Um, do you think you're a good father? J'aime mes enfants. C'est-à-dire que je les aime, mais les enfants, c'est différent parce que. Ils ont vraiment besoin de temps. Ils ont besoin de jouer, etc. Et je pense que c'est les enfants qui en souffrent le plus. Mmh. Vous savez, quand vous dites à un enfant ce soir je vais chanter, je joue dans telle salle, ils pensent que tu t'amuses. Mmh. <laughs> ils pensent que mmh. tu t'amuses, etc. Parce que pour un enfant, le travail, comme ils apprennent à l'école, c'est un ouvrier il construit une maison. Ce n'est pas quelqu'un qui chante, qui veut. <laughs> Donc ils ont l'impression que je m'amuse sans eux parfois. <laughs> How many do you have? Nine. Oh, lovely. Mashallah. Um, okay, let's. I'll ask a very uh, interesting question, and I need your imagination. Okay. You're wearing sunglasses, so you can close your eyes and <laughs> relax. Okay. Uh, this is called the cube test. Okay. Mm. So, uh, Gandhi, I want you to imagine a empty desert. Mm -hmm. Empty, nothing, <coughs> only sand. And suddenly, you see a cube. Mm -hmm. Describe the cube. Alors, je vois un cube transparent mm. mais avec un peu de couleur. Vous savez mm. comme un ballon qu'on, une, une bulle, de, de savon, de, de avec mm. des couleurs. Mm. Il, est, il se met en cube. C'est ça que je vois. Is it how big is it? Il n'est pas très grand. Il n'est pas plus grand que le, le caraba ou un peu plus petit. Mm. OK. Is it on the sand? Is it floating? Is it inside? Non, c'est sur le sable. Ok. After the cube. You see a ladder. Where is the ladder? I see the ladder not far from the cube on the ground. Okay. What is it made of? En wood. New or old? Ancient. Okay. Is it a very big, small? taille moyenne Okay. After. The ladder. You see a horse. Describe the horse. A cheval blanc, pur sang arabe. Is it standing? Is it running? un peu. And is it going away from the cube or towards? Il passe à côté du cube à chaque fois. Et... Hum. Mmh. OK. Après le cheval, Gandhi, vous voyez des fleurs. Où sont les fleurs Je vois des... J'aime bien les orchidées, donc c'est ça qui m'est venu tout de suite. Quelque chose, oui. OK. Où est-ce Elles poussent dans le désert, un peu autour du cube. Mmh. Are they alive or they're dying? Non, elles sont vivantes. OK. And the last thing you see is a storm. Where is the storm? La tempête elle est au loin, ça veut dire qu'on peut l'apercevoir depuis le, le cube. Et mm. est mm. And is it uh, affecting anything? Il y a l'inquiétude de la de la pression quoi. OK. Cards I will explain now. Wow. Okay. So, uh, Gandhi, this is a Japanese test. Japanese test, okay. Yeah. A psychological nice. test, yeah. So, the cube is the sense of self or ego. Okay. Yours was medium size, like the Kaaba. So, it's between two explanations between being bold, confident, and willing to be seen. And between being introvert, shy, modest, quiet, and you want to just blend. So you're in the middle. And you said it's standing on the sand, so you're stable, you know what you want from life, and you intend to get it, and you're logical and precise. Wow. Okay. You said it's also, uh, you can see inside transparent right so it's your inner world and your attitude are still being shaped you're still discovering yourself okay wow. the ladder you said uh, oh. the your ladder is your family and your friends oh okay you said it's shorter than the cube because it was on the floor so you regard yourself as an alpha type and leader Mm. Wow. Mm. You said it's old. So you've known your friends for a long time or you know them very well. Okay. Vrai. Bah, je suis avec que des amis d'enfance. Mm. Mm. And the steps were normal size. So you have few friends, but you know a lot of people. Yeah. Wow. Wow. Ouais, oh, c est c est vraiment, vraiment, it's good, huh? C'est vrai, okay. j'ai très peu d'amis, mais je, mais je connais énormément de gens, c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez dit que la lâche ne touche pas le cube, mais no. cube. est to du cube. Donc yes. so vous résolvez vos problèmes sans l'aide de votre famille et de vos amis. So donc vous vous résolvez vous-même. Exactement. Yeah. Parce que je considère que ma famille a assez de soucis comme ça. donc... Euh... Mm -hmm. OK. Et parce que c'est loin du cube, vous êtes assuré. an independent okay horse is your partner your ideal partner you know wife and mm -hmm. uh, so the interesting thing is you said it's uh, she, she's going towards the cube coming and right. going so your relationship maybe is far sometimes close far and close <laughs> wow um, and then you said it's a glamorous horse like it's beautiful white arabic horse so you, you value and you care about the outward appearance and you want someone that other people also think it's a beautiful person mm. Wow. Mm -hmm. flowers is the children so you said you have a lot of children and you said the flowers were all around and they were all near the cube so they were near you and this shows that you wish for a close relationship with your children yeah wow and because you have a very busy life your heart wants to be close to them so that's your wish and the, the fact that the flowers were in good health it reflects the health and prosperity of your children as well as your relationship with them hmm wow the last one is the storm The storm, yes. So, the, that's your fear, your stress, and your anxiety. And it was far, so you are now at a more peaceful inner place. However, the closer the storm, the closer you feel the threat. Yeah. yeah. Wow. C'est, du, on est, c'est très précis. Hein. J'ai, j'ai fait beaucoup de, de choses comme ça, mais bon, là, c'est vrai que c'était assez précis. C'était assez précis, vraiment. Nice. L'échelle, là, c'est waouh. Wow. L'échelle, c'est fort. Les fleurs autour, les enfants. C'est mm -hmm. vrai. Je suis toujours en FaceTime avec les enfants, même à distance. Le cheval qui court, c'est mm -hmm. vrai. Les relations, ça va, ça va pas, ça va. Ah, yep. c'est crazy. Because it, it's a question that uses subconscious. Yeah. So you don't know what you're answering. I don't know, c'est le subconscient. But, en fait. Yeah. So you're very honest. Yep. Et j'avais à chaque fois. L'image claire. Quand tu m'as parlé du cheval, j'ai mm. tout de suite vu le cheval. Quand tu m'as parlé du cube, j'ai tout de suite vu le cube. Nice. Comme si c'était des disques durs. Nice. crazy. So cool. Crazy. Let's do the card game. We'll do one question. This is uh, with with your luck. Okay. I'll I'll give you one also after, okay, so you can okay. play with your. Yeah players. yeah. Yes. On the plane, you can play. Okay. Okay. Mi mix mix it. Only the first one I will take. Allah, Okay. I will ask, then you throw this one, huh? Okay. What did you learn about yourself mm -hmm. when your last relationship ended? Throw. Throw. You Yeah. So we both have to answer, everyone. Okay, okay. You so first. Me first? <laughs> <laughs> the last serious, serious relationship was my yeah. marriage, which is a long time ago. I learned uh, that I don't support young marriage. Not for everyone, but I think 80%. Um, and I learned that it's good for someone to grow and to meet different people. Donc vous savez ce que vous ne and pas. Et will vous what ce que vous voulez. Mais si vous ne don't know. pas, vous ne savez pas. Donc oui, je pense vous... Moi, je suis encore euh, donc avec ma femme. Donc, donc euh, ce que j'ai appris, bah, me mettre à sa place, justement, un petit peu, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, et parce que voilà, moi j'ai grandi euh, comme j'ai grandi, donc euh, je considérais que la vie était dure, quoi qu'il arrive, et que c'était comme ça, et qu'il fallait avancer. Donc me mettre à la place des gens, j'y arrivais pas vraiment. Et avec ma femme, c'est ce que j'ai vraiment appris en profondeur, et ça m'a fait grandir. Very nice. And um, what are you afraid of? Aujourd'hui, ce qui me fait peur. Uh, j'ai toujours euh, la pauvreté devant moi, la misère. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais. Toujours peur de manquer de quelque chose, que mes enfants manquent de quelque chose. C'est vrai que c'est des choses qui me, font, qui, qui me font peur. Qui sont loin, mais que je vois comme la tempête un peu. Mm -hmm. yeah. And that's very normal because Yeah, you grew up and you had those emotions. Mm -hmm. And for example, if you were, were, uh, grew up with no money, no stability, no food, no, sometimes no matter how much food you have and how much money mm -hmm. inside you, you still feel it's not enough. No, no, this is not real. It's not going to stay. It's going to go. So it's this insecurity. I need to get more. I need to co protect my family. I need to do this. Mais tout le monde est relax, vous avez assez pour 200 ans. Et il est comme, non, à l'intérieur, tu Exactement. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, on, on se bat pour ce qu'on n'a pas. Ça me rappelle une, ça me rappelle une histoire euh, historique. Hein. C'est une petite parenthèse historique. C'est pendant euh, ce qu'on appelle la guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais. Donc les deux, les deux généraux se sont rencontrés. Et dire, le général anglais a dit aux Français, vous, les Français. Vous vous battez pour l'argent. Nous, les Anglais, on se bat pour l'honneur, la dignité. Et le général français a répondu On se bat pour ce qu'on n'a pas. Mm. <laughs> C'est une bonne histoire. Ça. Mm. Okay. Um. Hmm. What else did I have for you? <laughs> très bonne interview. Hein. Thank you. Um, would you be friends with Gandhi? Ah, qui ne serait pas ami avec Gandhi? Je ne sais pas qui. Je pense que c'est une bibliothèque à lui tout seul, quoi. Mm. Are Gims and Gandhi the same person? Non, non, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne, mais c'est euh, deux personnes qui peuvent, euh, peuvent s'entendre, mais ils n'ont pas la même fonction quoi. Gims est là pour attirer l'attention sur la personne la plus importante, qui est Gandhi. Mais Gandhi n'a pas assez de force pour attirer les gens. Mm. C'est un relais. Gandhi, is there someone that Whenever you remember them your heart hurts. il y a certaines personnes bien sûr qui m'ont blessé, qui ont fait du mal, mais au point d'avoir mal au cœur, non. Vous savez or or maybe somebody that maybe passed away so when you remember them you feel sad. Ouais bah, vous savez le... C'est bizarre mais quand je, quand je vois ma mère parfois ou certaines personnes de ma famille, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une tristesse parfois qui arrive d'un coup. Je sais pas pourquoi. Mm. Ouais. Juste parfois le voir leur visage, ça me... ça me replonge parfois, genre 20 ans en arrière. Euh, comme si c'était un flashback d'un coup comme ça, quoi. C'est... Mm. Par exemple, quand je suis sur scène et que je sais qu'il y a ma mère, je n'arrive pas à être à 100%. Alors que quelqu'un d'autre serait fier, ma mère, elle est là, etc. Mais j'ai tellement une relation avec ma mère, il s'est passé tellement de choses, j'ai tellement vu souffrir, etc. Que ça me. Parfois, quand je la vois, ça me. Ça me, ça me fait un truc que je ne peux pas expliquer. Ça doit être un bagage encore émotionnel. You know, maybe. The first step is to respect your emotions. Doesn't matter, mm. anything. It could be because part of you maybe feels guilty that you feel that way when she's in the crowd. But that way. No, maybe. you have to respect, mm. I feel this. So when you respect your emotion, the second step is to analyze. Why do analyze. I feel this? Yeah. Why? And then once you start to analyze yeah. it yeah. the monster becomes a puppy mm. yeah. i think that's the way you know? right. um, we'll ask you uh, inshallah allah gives you a very long life i mean and a healthy life not only long Amen. long and healthy yes and inshallah when let's imagine that god will have will give you a very sweet exit so imagine uh, gandhi you're on your deathbed mm -hmm. and your nine children or more all of them are around you around their father baba papa whatever they call you mm -hmm. baba i called baba baba your loved ones people you love are around what do you feel they need to hear before you go Je voudrais surtout qu'ils soient. qu'ils soient. c'est-à-dire. Euh... qu'ils soient pas affligés ou tristes, etc. J'ai be... besoin de les voir heureux à ce moment-là. Mm. Je pense que c'est important pour moi pour peut-être partir plus facilement, quoi. De les savoir heureux, de les savoir sereins. Et surtout qu'ils soient contents de moi. Mm. De ne pas partir avec. Euh... De la rancœur, comme moi j'ai pu avoir de la rancœur pour mon père. Mm. Aujourd'hui j'ai plus cette rancœur là, parce qu'au final la rancœur, la haine ronge celui qui la possède. Mm. Il faut se débarrasser de ça. Il faut mm. se débarrasser de ça. Donc euh, j'espère partir avec euh, le pardon et l'amour de, de tous mes enfants. Inch'Allah. Si um, vous pouviez être born again. Would you choose to be born in another family? <coughs> oh, ça c'est une autre famille, je pense que comme on disait tout à l'heure Allah connaît toutes les c'est-dire les possibilités. S'il y avait ça, il se serait passé ça. S'il y avait mm. pas ça, il se serait passé ça. C'est un travail qui a déjà été fait par notre Seigneur. Mm. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ça la vraie liberté. Le mm -hmm. fait de ne pas choisir. C'est contradictoire. Mais hein? yes. c'est la vérité. J'aime <laughs> like ça, it. C'est yeah. it un paradoxe. Vous savez, know, l'islam aussi vient de vous surrender. you Vous yes. vous Allah, oui. Vous vous trouvez. Oui, oui, oui. Vous savez, nous ne savons pas beaucoup aussi. Nous sommes limités. Les deux. Gims in one word. Oxymore. Tu sais ce que c'est mm, qu'un oxymore? Mm, mm, mm. Yeah yeah. Why? Je suis, je suis un, un, soleil noir. Je suis un bruit assourdissant. Mm. Parce que euh, j'arrive, j'arrive par là où on m'attend pas. Mm. Je suis un Africain. Je chante du Pavarotti. Mm. Tu vas me trouver partout devant toi. Je peux jouer de la comédie, je peux danser, je peux chanter. Pour sûr. Sure. <laughs> je suis un oxymore. Je suis tout et son contraire. Je suis un mm. musulman, musulman, mais je suis en boîte de nuit, en club. Il y a des femmes, il y a des. Mm. C'est ma vie, je suis, je suis comme ça. Et je dois l'accepter. Mm. Yes. Uh, last one. Uh, Gandhi, in one word. Gandhi en un mot, je pourrais pas le dire, je sais pas. Là c'est à toi de, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Gandhi c'est, vraiment le, je pense que c'est le personnage qui fait, qui, qui fait que je puis, que je consolide mes liens avec avec les gens qui me rencontrent pour la première fois. Parce que Gims il a l'air arrogant. Mm. Gims c'est mm. un pas c'est l'appât. Une fois que tu es mort mm. Après c'est Gandhi quoi, mm. mais Gandhi il est plus introverti, mm. il est dans son coin et voilà. Et j'ai créé ce personnage de Gims avec les lunettes pour attirer l'attention. Mm. So if me and you are walking and we see we see Gandhi and I tell you who is this person in one word, what would you tell me? C'est un personnage, un personnage. Comment on peut dire un personnage hmm. C'est un personnage. Ok. Merci. Je <laughs> crois. Okay. Thank you. Merci beaucoup. Merci. merci. Sure. Okay. Thank you. It was very good. C'était très bien, magnifique. Je suis so like pleasantly surprised. You know, like we can talk on a beach for hours. On you aurait pu continuer. Là, on aurait pu continuer yeah. avec, euh, avec à manger un peu. <laughs> so good, so good. Merci beaucoup, thank you. Merci infiniment. Okay.